C'est Carlo Combs. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur Red Dead Redemption Online. Je vais vous présenter le mode en ligne. Enfin, je vous ai déjà fait une vidéo sur le mode en ligne, mais là c'est plus particulièrement sur les modes qu'ils ont créés. C'est des sortes de parties match à mort, conquête, des trucs comme ça. Des trucs basiques hein, des jeux vidéo, mais là c'est juste pour vous présenter un peu comment ils l'ont mis dans Red Dead, voir un peu à quoi ça ressemble et voilà. Donc hop. Attention. Bon là du coup ouais, faut pas le con. Bon, là on est 30 joueurs, je crois, parce que j'ai mis grosse conquête. Oh. Donc voilà, ouais, donc à la fin de la vidéo, vous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé du mode, ce que vous pensez qu'il pourrait rajouter, ce qu'il pourrait modifier. Et moi, je vous dirai à peu près ce que j'en veux penser. Mais... Voilà, voilà. Bon, du coup, c'est le truc basique, hein, capture. J'ai l'impression que je bug un petit peu. Hein. C'est mon petite impression. Ouais, je lag vraiment là, c'est pas possible. c'est pas grave, on va. En fait, je sais pas si je lag, mais j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, on fait avec, hein. Ça nous empêche pas de voir à quoi ressemble le jeu. Du coup, on peut avoir. Alors là, j'ai remarqué, il y a un point où on peut récupérer des chevaux sur la carte. C'est pas mal. Si j'ai bien compris aussi, dans les points, dans les zones de capture, enfin, les zones à capturer plutôt, tu peux gagner de la vie si t'as capturé la zone. Pas mourir, les gars. Ah, il y a des points aussi pour des trucs pour récupérer pour avoir de la vie. Ça m'a pas trop aidé. qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On va voir. Hein. Ah, avec les feux pour transmettre la position. C'est pas mal. Putain, mais dans la partie d'avant, j'avais une putain d'arme et là, je l'ai pas. Vraiment, pourquoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas cette arme? J'avais dû la trouver par terre alors. On va rester au basique, j'aime pas trop le flingue, bon. Ok, rien compris à ma vie. Est-ce que en ligne j'ai. Est-ce que je peux faire le. Ah oui. Du coup, je peux faire le sang-froid, c'est super. On va le faire ça. On va tester. On va tester le sang-froid les gars. En fait là c'est une carte. Ah oui, donc du coup en ligne on a des compétences. Des cartes de compétences que tu peux mettre dans un nombre d'emplacements 5 ou 6 je crois. Et tu débloques tous les 10 ou 20 niveaux, un truc comme ça. Je sais pas, hein, pas exactement. Et en gros bien sûr j'ai mis un truc moi pour le sang-froid. Bon putain, je me fais défoncer là, c'est pas possible. À partir d'avant j'avais une putain d'arme, il faut que je la retrouve. Parce que cette arme fait aucun dégât, c'est un truc de ouf.
Dans l'épaule. Je suis même pas mort. Je préfère mourir, j'ai pas envie qu'il me tue. Par derrière. Oh. Putain, c'est quoi ce bordel? Ils prennent pas de dégâts les gars, c'est un truc de ouf. Alors les points, quand ils sont transparents, c'est en mode parce qu'ils viennent apparaître, c'est le l'équivalent du putain. Mais je sais pas quelle arme il a, mais j'arrive pas à le niquer. Faut que je me trouve une arme parce que là c'est pas possible. On va aller là-bas. C'est l'équivalent du mode passif sur GTA en gros. J'aime bien faire des passerelles, des comparaisons entre les jeux Rockstar parce que y a beaucoup de trucs que tu retrouves. Bah c'est normal, mais. Putain! C'est vraiment de la merde cette arme. Tout à l'heure j'avais une sorte de fusil à. Un double canon j'avais. Putain, il faisait. Oh! Oh, est-ce que. Non, c'est pas. Ok, non, c'est pas trop. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. Et du coup, je l'ai plus, bien sûr. Je colle l'arc. Oh putain, ça va trop bien me servir ça. Parce que moi je me bats à l'arc, oui, c'est connu ça. Elle est morte là. J'ai rien pu le faire, le mec. Canon à verrou là, je sais pas quoi, c'est la grand-mère, c'était l'arme. Je sais pas exactement, mais je crois que c'est un canon à verrou, en tout cas. On a gagné, je crois. Nous avons gagné. Wouah, 2 victimes, 14 morts. Ça aurait été mieux si c'était l'inverse. Bon, on verra ça à partie d'après. On va voir ça. Ça, c'est le meilleur joueur. Re les amis. Alors du coup là c'est un mode chacun pour son cul. En gros c'est ça en gros. Je sais pas si c'est une bonne arme, mais on va voir ça tout de suite. On a rien vu du tout. On a rien vu du tout. Bon. Putain, je me retrouve avec ce canon de merde là. En fait, je me suis dit c'est peut-être un truc
demande si ça marche, le tir, tu dois calculer le temps de la pack de la balle ou... Putain, la namap elle est énorme. Est-ce que là-bas... Putain... Je suis nul, j'ai une pression. Faut pas que je tire avec ce truc de merde. Pourquoi il y a un sorte de balai là? Bon du coup... Mais putain! Un arc, mais va niquer ta race, faut pas le tirer avec l'arc. Alors je sais pas si dans... Alors ça c'est une bonne question les amis. Je sais pas si dans le mode... dans les modes en ligne comme ça, si les compétences et les trucs ça... Les mecs ils peuvent les utiliser, du coup si t'es un plus gros niveau t'es un peu en avantage ou pas. Je sais pas s'il y a les avantages de niveau. Hein. Ouh là ça fait mal. Il m'a éclaté la tête. Je l'ai vu, mais bon, le temps que je m'enlève et tout, comme une grosse merde, j'ai pas vu. Oh, y'a un coffre, putain. Alors, oui, du coup, des fois, t'es un peu comme dans Battlefield, y'a un train qui vient avec des armes. Comme dans Battlefield 1, vous savez, quand dans Battlefield 1, des fois, t'as un train qui vient au milieu de la map pour aider. Bah, là, c'est un peu pareil, mais sauf qu'avec des armes. Et après, putain, de tous les côtés. Hein. Faut vraiment me trouver une arme là. Putain, mais j'en ai marre de ton truc de merde, j'ai dit que je m'embête les couilles, ça. Tu peux te cacher là-dedans? Ouais, ça sert à rien, mais ouais, tu peux te cacher là-dedans. Alors, à chaque fois, tu dois arrêter la visée. C'est quoi ce bordel? C'est bien dommage. Non, sans blague, j'ai perdu? Oh là là. Bon, c'était pas ouf, tu vois. Ouais, c'était pas ouf, non. Non, 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 non. Bon, tant pis, tant pis. Alors, on fait chier les cow-boys.
Putain. On peut ici on peut s'occuper. Alors ok, dans le menu on peut s'occuper de ses armes et tout, c'est bien ça. Ok, bon, dernière petite partie les gars. Conquête. Ça c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure. On doit capturer les zones hein, en gros. C'est pas mal je trouve. Putain, moi je suis pas un bandit moi. Allez, on y va les gars. Je vais prendre cette arme, ça sera mieux. Oh non, c'est le fusil de précision, nique ta race. Bon, pas le fusil de précision. D'accord, faut que j'achète des balles carrément. Il plaque cet enculé. Hein. Le mec lui met je sais pas combien de coups, il meurt pas cet enculé. Ouais, encore des trucs que j'ai pas compris. Genre le système des balles, apparemment ça se recharge pas à chaque fois, on doit en racheter à chaque fois, ça c'est un peu dommage. Et que les armes de base doivent les. Tu meurs, voilà. Ah non, il est pas même pas. Ok, il était juste à terre et il s'est tué tout seul. Enfin, c'est moi qui l'ai tué du coup, mais voilà. Springfield sera déjà mieux. Voilà. Allez, vas-y. J'ai rien compris ma vie. Et j'ai plus le Springfield du coup, c'est bien dommage, mais bon. Du coup, faudra que je rachète des munitions. Faut bien que j'y pense. Sinon, je suis bien dans la merde. Pour l'instant, on gagne. C'est bien. Reste par terre. Est-ce qu'il pourrait venir me soigner ou un truc comme ça, non? Non? Si. C'est bien fait là.
Allez, go, go, go. On va tout niquer, les gars. Il y a un jeune là-bas. On va aller tuer le Shintok, viens là. Oh le chinois. Ok, j'ai rien compris ma vie. J'ai rien compris du tout. Dynamite les gars, je crois que c'est de la dynamite ça, je crois. Non, c'est des couteaux. Ah non, j'ai cru. On peut se défendre quand même. Normalement, mais on peut pas, mais bon. Enfin, je veux dire, normalement. Dans la plupart des jeux, quand ça t'arrive ça, tu pouvais rien faire. Là, tu peux, c'est pas mal. De toute façon, quand je vous dis Red Dead est vraiment très réaliste, tu peux pratiquement tout faire comme dans la vraie vie. Ce jeu est vraiment bien fait. Alors, putain, pourquoi j'ai pas utilisé mon Springfield? Je suis couillon. J'aurais dû utiliser mon Springfield. Il va courir comme un abruti là. Tu m'étonnes que je me fasse niquer. Il n'y a pas trop des armes de ouf quand même ici. Hein. Tu meurs, voilà. Match gagné. Et mon personnage répète tout ce que je dis. Bon, j'ai pas fait gros, ça a pas été un match de ouf pour moi, mais bon, tant pis. On verra ça en live. Bon les amis, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Au moins je vous aurai présenté un peu les modes. Du coup, il y a conquête, match à mort par équipe, match à mort solo. Et j'ai pas vu encore les autres, il doit y en avoir bien d'autres, ou sinon ils en rajouteront, je pense. Après côté jeu, ouais, moi j'ai rien à rajouter. Après seul défaut que j'irai, c'est un truc qui pourrait rajouter des armes en plus. Et voilà. Hein. Après c'est vraiment pas mal. Bon voilà les amis, on va se quitter sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous dis à très bientôt et tchuss tout le monde.